Bienvenue Bousada, marhaba bikoum fl Algérie. Vous connaissez les Algériens? Mais c'est un boxeur? Oui, officiel. Oh, tac tac. Ah ouais, c'est celle-là. Waouh, waouh. Bye bye. Si le paradis était au ciel, il serait au-dessus de Bousada. Les peintures sont vraiment... Oh, merci madame. Charchoukha. Oh, yaya. Décidément. On pourra dire qu'on les a toutes mangées. Hein. C'est incroyable, hein? Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Ah bon? Vous les avez là? Zbar el Kher, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout nouvelle ville, car je viens d'arriver à Bousada. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de l'Algérie chaque jour sur ma chaîne YouTube pour cette deuxième saison. Alors pourquoi deuxième saison? J'étais déjà venu ici au mois de mai, sauf que j'étais limité par la durée de mon visa. Il y avait plein d'endroits que je n'avais pas eu le temps de visiter, notamment Bousada. J'ai donc décidé de refaire un visa pour terminer ce que j'avais commencé. Et je vous conseille vraiment d'aller voir la playlist de la saison 1 dans un premier temps, mais également de la saison 2 de cette aventure en Algérie, parce qu'on a fait vraiment plein de choses extraordinaires, notamment, oh là là, l'expédition dans le Sahara, qu'est-ce que c'était beau! C'était vraiment magnifique. Et puis je rappelle aussi que dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver toutes mes aventures autour du monde. Alors si jamais vous appréciez le contenu, vraiment si vous appréciez, la manière la plus simple de m'encourager et puis surtout la plus rapide, j'ai envie de dire, c'est de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Merci à tous, hein, vraiment pour vos retours. J'ai pas le temps malheureusement de répondre un par un à tous les commentaires, mais je les lis et je vous en remercie vraiment, voilà, pour cette force au quotidien, ça fait vraiment plaisir, mais également tous les petits messages sur Instagram, TikTok, etc. Donc vraiment, je tiens à le faire encore une fois en caméra. Merci à tous. Le topo très rapide. Donc ce matin, j'ai quitté Djelfa. Alors, est-ce que j'ai besoin de le répéter encore une fois avec ces 3 mois au total cumulés en Algérie maintenant, de comment on fait pour se déplacer? C'est vraiment pas difficile. Gare des bus ou des taxis collectifs. En l'occurrence là, j'ai pris un taxi collectif. Ça m'a coûté 300 dinars, ce qui fait grosso modo 1,50€. L'avantage, c'est que nous étions pas très très loin de Bousada, hein, en partant de Djelfa, environ 115 km, ce qui représente 1h30 à 2h voilà, de trajet. Et puis ensuite, lorsque je suis arrivé à la gare des taxis collectifs de Bousada, j'ai pris un taxi de ville qui m'a coûté 200 dinars, ce qui fait grosso modo 1,50€, et qui m'a amené ici, dans le centre-ville de Bousada. Pour l'hébergement, idem, ce qui marche très très bien ici en Algérie, c'est le bouche à oreille. Il y avait plusieurs personnes que j'ai rencontrées à Gardaïa qui m'avaient conseillé de venir à la maison d'hôte d'Arma. Je m'y suis rendu, mais comme on est dans une période de forte demande, hein, puisqu'on en est dans la période ici des vacances, et ben du coup, elle est complète. Comme beaucoup d'hôtels d'ailleurs, hein, dans les alentours. En revanche, je suis tombé sur une dame très gentille, parce que la première chose que j'ai remarquée dans cette auberge en arrivant, déjà, c'est qu'elle était vraiment belle, hein, c'est très très calme. C'est le petit déjeuner, hein, voilà, ça m'a tapé à l'œil direct, le petit déjeuner. En rigolant, quand la dame m'a dit « Désolé, on est complet », j'ai dit « Bah c'est pas grave, je reviendrai demain pour le petit déjeuner ». Elle m'a dit « Pas de problème, avec plaisir ». Et comme j'avais pas pris de petit déj ce matin, vu qu'il n'y en avait pas à mon hôtel, je lui ai demandé poliment, parce que franchement, c'est vrai qu'il était beau le petit déj. Si je pouvais me servir, prendre un petit café, quelque chose, elle m'a dit « Oui, oui, bien sûr, pas de souci ». Moi, je pensais la dédommager, bien évidemment, pour le petit déj. Mais bon, vous connaissez les Algériens, hein, je pense qu'il n'y a plus besoin de présenter la fameuse hospitalité algérienne. Du coup, bah, quand je lui ai demandé poliment combien je vous dois pour le petit-déj, elle m'a dit « Non, non, c'est bon, pas de problème ». Donc voilà, trop trop gentil. Donc Darma, victime de son succès. Donc j'ai cherché un autre hôtel, je suis rentré dans un, il m'a dit « On est complet », je suis arrivé dans un autre. Et là, trop de chance, j'ai réussi à obtenir une chambre pour 2 nuits. C'était la dernière qui restait et en plus elle était dispo que 2 nuits. Donc parfait, vu que je comptais rester que 2 nuits ici. Donc je suis à l'hôtel d'Alger. Pas difficile à retenir comme nom. Et la nuit me coûte 3500 dinars avec petit déjeuner à titre de comparaison. Donc la maison d'hôte d'Arma coûte 3000 dinars. Donc là, c'est un peu bruyant parce qu'on est vraiment au cœur du centre-ville. D'Arma est pas loin, hein,
à 2-3 minutes à pied, mais elle est dans un petit renfoncement, et puis voilà, c'est vraiment joli, il y a un petit jardin, etc. Ma foi, c'est pas grave, le principal, c'est d'avoir un toit au-dessus de sa tête, un lit, une douche, parce que nous, maintenant, on perd pas plus de temps, on va aller explorer, mais d'abord, le petit room tour habituel, yalla. Donc, je suis à l'hôtel d'Alger, on a de très belles peintures, alors est-ce que ce sont celles d'Étienne Diné, célèbre peintre français qui s'est installé à Boussaada. D'ailleurs, il y a son musée pas très loin qu'on devrait aller visiter aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. On verra ça. Chambre 205, comme la voiture, la mythique 205, hein, pour ceux qui l'ont connue. Et puis voilà, ça reste du classique. J'ai une très belle chambre avec un beau lit, salle de bain, toilette, douche, voilà. Hein, tout le confort comme d'habitude pour pouvoir séjourner dans la cité du bonheur, c'est comme ça qu'on la surnomme, Boussaada, la cité du bonheur, et j'ai même en prime un petit balcon, alors bien sûr avec vue sur rien du tout puisque j'ai le mur de l'hôtel d'en face. Ma foi, c'est agréable d'avoir un petit balcon. Donc voilà, le centre-ville, Boussaada est juste ici, hein. Donc ça c'est vraiment très pratique. C'est ici que commence notre exploration du jour, l'hôtel d'Alger, et voilà. Donc je suis rentré dans celui d'en face complet. Et alors il m'a dit qu'il avait un hammam. Ah, peut-être en fin de journée, pourquoi pas se faire plaisir. Un petit hammam, ça me ferait du bien là, hein, histoire de, voilà, de me décrasser un peu, surtout après tout ce qu'on a eu là récemment, le désert, etc, etc. Dharma, c'est par là, hein, c'est vraiment juste à côté. Et puis ben, nous, je ne sais pas, puisque les premières journées de mes explorations, c'est toujours du mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Je ne prévois rien, je vadrouille, j'explore, je découvre. Et on découvre ensemble, car vous êtes mon troisième œil. Tu peux pas être plus au centre-ville qu'au centre-ville ici, là. Ce grand rond-point, c'est le centre-ville de Boussaada. Alors Boussaada n'a pas l'air d'être une très grande ville. Ma foi, il y a pas mal de choses à faire et à visiter. Ça a l'air très sympa en tout cas. Depuis que je suis arrivé, ça me plaît beaucoup. Visiblement là, on a un souk. On va passer par le souk et puis on verra où est-ce que ça nous mènera. De toute façon, on est dans la cité du bonheur. Donc ça peut que nous emmener vers les portes du bonheur. Bon, ça reste classique, hein. Les souks, on en a déjà fait plein, on trouve de tout. C'est ça qui est pratique. Si jamais vous quittez votre domicile et que vous avez oublié de prendre quelque chose, une casquette, une paire de chaussettes, n'importe quoi, au souk, on trouve tout. Et moi, ma partie préférée en général dans les marchés, c'est le côté fruits et légumes, hein. Surtout fruits. Alors je reprécise au cas où, pour ceux qui n'auraient jamais vu mes épisodes ici en Algérie, que en fait, dans la plupart des villes, on a toujours une ville historique et un centre historique. Donc en général, voilà, une vieille ville et puis une ville moderne. Hein. Voilà, des extensions qui font la ville moderne avec des logements modernes, voilà. Donc là, je pense que nous sommes dans le vieux Boussaada, si je peux expliquer ça comme ça. Salam, la baisse. Ça va, ça. Merci, Khoya, c'est gentil, merci beaucoup. Salam, la baisse. Ça va bien. Thank you.
Salam alaikum. Qu'est-ce que vous faites, la mécanique? Mécanique mobilette. Ouais, les scooters. Elles sont belles, hein? Sarah, merci. Non. Youssef Boxer? Ah. Youssef Boxer? Oui. Officiel. Ah, tac, tac. Sarah, regarde, merci. Fianso? Oui, Fianso. Fianso, la suite. Youssef Boxer. Youssef Boxer. Oh, voilà, je vadrouille toujours, hein. Dans le quartier historique de Boussaada. D'après ce que j'ai pu comprendre, il y a pas mal de très très vieilles mosquées ici, des mosquées historiques. D'ailleurs, je suis rentré dans une tout à l'heure et elles sont vraiment très belles. D'ailleurs, celle dans laquelle je suis rentré tout à l'heure était en restauration. On se laisse perdre, hein. Regardez, je pense que ça c'est la mosquée antique. Salam alaikum, la baisse. Mosquée antique. Ah ouais, c'est celle-là. Waouh. Hein? C'est le système de la poste. Merci monsieur, Sarah. Merci. Waouh, regardez ça. C'est une très 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 vieille mosquée. Je pourrais pas vous donner la date, hein. Désolé. S'il y en a qui le savent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous voyez les toitures. Ça me rappelle un petit peu la mosquée qu'on avait visitée à Sidi Ogba. Pas très très loin de Biskra. Salam alaikum. Magnifique. C'est calme, hein, c'est un petit havre de paix, hein, cette mosquée. Alors là, je vois un micro. J'imagine que c'est par ici que l'appel à la prière se fait. Ah oui, d'accord, il y a une autre pièce, hein. Je pensais qu'elle était petite, mais pas du tout. Alors est-ce que ce rideau, c'est peut-être le côté des femmes? Je ne sais pas, je ne voudrais pas dire de bêtises. Je vois une bibliothèque. Voilà, c'est peut-être le côté des cours, plutôt, des cours coraniques, je pense. Visiblement, de la sieste aussi, hein. Il y a un monsieur qui se repose en même temps. Le cadre s'y prête, c'est vraiment très calme. Oui, je pense que c'est la salle de classe, hein. Ah oui, d'accord. Donc. Il y a deux entrées et deux sorties. Waouh! Magnifique mosquée. Hein. Ça, c'est ce genre de lieu vraiment qu'il faut préserver. Hein. Salam alaikum. Salam alaikum. Ça va bien? Ça, c'est trop gentil. En fait, il y a un monsieur qui m'a rappelé pour me dire: viens voir, t'as loupé la terrasse. J'avais
J'avais pas vu, moi, j'osais pas rentrer en fait. Je pensais que c'était une pièce réservée pour l'imam ou voilà. Ah ouais, trop sympa quoi. Oh ouais, ok, d'accord. Waouh, quelle chance. On est sur le toit de la mosquée antique de Bou Saada. Je vais vous montrer une petite vue là sur les palmeraies qui nous entourent. Regardez ça. On se croirait dans un décor de film. Magnifique. Trop de chance. En face, je vois une petite fille qui est sur un toit parce qu'on m'avait expliqué que souvent, dans les architectures, certaines maisons typiques hein, de la région, les toits, ce sont des terrasses. Donc là, on a une jeune fille qui profite sûrement de la terrasse de sa maison. Et d'ailleurs, regardez, je vois même aussi une autre belle mosquée en face. Il y a plein de belles mosquées ici. Voilà. Nous, on peut pas se rapprocher parce qu'elle est un petit peu loin. On pourra peut-être sûrement y aller à pied, mais on a le zoom. C'est pratique, n'est-ce pas? Puis là, j'avais pas vu. Mais il y en a une autre aussi, juste là. Regardez, j'ai les enfants de la maison d'en face qui me font coucou. Salam! Au revoir! Au revoir! Salam! Bye bye! La baisse, ça va? Alors j'ai constaté quelque chose ici à Bou Saada depuis que je suis arrivé, c'est qu'il y a pas mal de fontaines en fait. Ça me rappelle un petit peu certaines villes que j'ai visitées en Turquie. Ça va? La baisse. Et juste en face, je viens d'apercevoir l'une des mosquées qu'on voyait depuis le toit de la mosquée antique. C'est celle-ci là qui commence à apparaître sous nos yeux petit à petit. Salam alaikum. Et juste en face donc de cette belle mosquée, nous retrouvons le musée national Nasreddin Dine, alias Étienne Dine. Je vais tout vous expliquer, j'ai lu un petit peu très rapidement dans les grandes lignes son histoire, qui était Étienne Dine, etc. etc. Parce que je suppose que parmi vous, il y a des personnes qui, comme moi, ne connaissaient pas auparavant Étienne Dine avant de venir à Bou Saada. Salam alaikum. Alors le musée Étienne Dine semble gratuit puisqu'on ne m'a rien demandé. Hein, voilà, on peut franchir les portes librement. Donc là, il y a un groupe. C'est les vacances, donc j'imagine que c'est comme une sorte de centre de loisirs. Voilà. Il y en a un qui dessine bien là, dis donc. Il y a du talent ici. Sartek. Donc là, d'après ce que j'ai compris, c'est la dame en fait qui est juste ici qui m'a expliqué que là, c'est la maison donc de Étienne Dine. Donc on peut retrouver des œuvres de ce peintre. Alors, j'ai demandé à la dame hein, qui était très gentille, qui m'a souhaité la bienvenue en arrivant, si toutes les œuvres qu'on pouvait voir ici dans le musée étaient d'Étienne Dine, et puis s'il y avait des originales, des copies, etc. Et en fait, elle m'a expliqué que dans l'autre partie, il y a un artiste algérien qui est exposé. Ça, c'est cool parce qu'en plus, ils exposent voilà, des œuvres d'autres artistes. Et au premier étage, on retrouve les œuvres d'Étienne Dine. Et je vous expliquerai juste après pour la réponse des copies ou originales. C'est joli, hein? L'artiste avait beaucoup de talent. Donc tout ça, hein, c'était sa maison hein, qui a été transformée en musée. Donc
Donc là, c'est la salle d'exposition où, en ce moment, sont exposées les toiles d'un artiste algérien. C'est ce monsieur. Voilà. Et donc tout ça, ce sont ces toiles, hein, qui sont très 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 jolies. Alors comment je le sais ? C'est grâce à cette gentille dame qui est en train de m'expliquer un petit peu. Merci madame, vous êtes vraiment gentille. Magnifique. Donc là, on a les toiles de cet artiste qui sont exposées ici. Est-ce qu'on peut les acheter, par exemple, si on a un coup de cœur, là, on les voit. Je lui ai demandé hier, il m'a dit c'est mes enfants, je ne peux pas vendre. Ah, c'est ses enfants, eux. D'accord, ok. Il m'a dit l'art, c'est dans mon sang. Tout ce que j'ai réalisé comme peinture, c'est pour moi-même. Il m'a dit, je ne suis pas prêt à vendre mes toiles. D'accord. Donc, il fait ça par amour pour la peinture. D'accord, donc c'est même pas son métier, c'est vraiment que de la passion. Son rêve, c'est de vendre une de ses toiles à un musée. D'accord. Ça lui intéresse pas de vendre aux particuliers. D'accord. C'est pas sa source de revenus. De revenus, voilà. Comment il s'appelle ce monsieur ? Il s'appelle Dahmani Zoher. Dahmani Zoher. Voilà. Merci madame. De rien. Elles sont vraiment super belles, hein, les toiles de l'artiste algérien. Regardez un petit peu le détail, quoi. Magnifique. Franchement, je les trouve vraiment super belles. Hein. Regardez. Ah, des amateurs de fruits comme moi. Elles sont sublimes, franchement sublimes. Regardez ça. Il a dessiné Étienne Dinet. Bravo! Psartek! Bravo! Voilà, donc ça c'était Nasreddine Dinet, Étienne Dinet. Waouh! Si le paradis était au ciel, il serait au-dessus de Boussa Hada. Et s'il était sur terre, ce serait Boussa Hada. C'est Étienne Dinet qui a dit ça? D'accord. Les deux trucs qui l'ont poussé à s'installer à Boussa Hada, c'était la lumière, l'éclat de la lumière et les encres qu'il a découvert vers le coucher du soleil. D'accord. C'était même pas la femme, parce qu'au début, les gens pensaient que c'était une des femmes qu'il a peint. D'accord. C'était pas la femme. Donc, ce qui l'a poussé à s'installer et acheter la maison et s'installer en 1904, c'était les deux éléments essentiels, la lumière et les encres. Et surtout les enfants de Boussa Hada, c'était sa source d'inspiration. Donc, il était écrivain, un poète, poète et photographe. Donc, il prenait la photo pour réaliser ses dessins. Pour vous expliquer rapidement qui était Étienne Dinet, c'était un peintre qui est né en 1861 à Paris et qui est décédé en 1929. D'ailleurs, on a son mausolée, hein, pas très très loin d'ici, puisqu'il a été enterré ici, à Boussa Hada. En fait, il est venu une première fois à Boussa Hada en 1884. Il est tombé amoureux de la région et il a décidé donc de s'y installer. Et c'est pour ça que nous sommes ici dans sa maison qui est aujourd'hui devenue un musée. Alors, il s'est converti, hein, à l'islam. C'est pour ça que par la suite, il s'est fait appeler Nasreddine. Donc, Étienne Nasreddine Dinet. Et ça, c'est une copie. Alors, comment je le sais? Bien évidemment, c'est grâce à la dame qui me l'a montré. Elle m'a dit, regarde, si tu te mets sur le côté, tu vas voir avec la lumière, etc., qu'il n'y a pas de reflet et que c'est une copie. Les peintures sont vraiment très belles. Je dis pas ça parce que là, il y a une dame sans nu. On va me prendre pour un pervers après. C'était pas voulu, mais enfin, vraiment, quand vous faites le tour. Alors là, je sais pas si c'est la Légion d'honneur. Voilà, on a plein d'objets aussi, hein, qui appartenaient à Étienne Dinet. Mais voilà, ce que je vous disais, c'est que les peintures sont vraiment très très belles de ces scènes de vie. Hein. On s'y plonge vraiment, on a l'impression d'y assister, comme si ça se passait sous nos yeux. En plus, moi qui voyageais en Algérie, j'ai déjà vu des scènes de vie comme ça, avec des jeunes rigoler,
Donc pour moi, ça me parle en fait, ces toiles. Il est 16h20, c'est pas un déjeuner là, c'est un goûter d'exploration. Oh, merci madame. Des charchoura. Charchoura. Oh, yaï, 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 yaï. Alors, il faut savoir qu'ici, non loin du centre-ville de Boussada, vraiment à quoi 5 minutes à peine à pied, et grosso modo à 10 minutes aussi à pied du musée Étienne Dinet où nous étions tout à l'heure, on retrouve la maison de l'artisanat. Donc en fait, je vous montrerai après c'est quoi, parce que là j'avais vraiment faim, j'avais besoin de me poser, hein. Il est 16h20 donc j'en pouvais plus. Mais au premier étage de la maison de l'artisanat, on retrouve un petit restaurant traditionnel qui propose des plats algériens, donc de Boussada, et j'ai envie de dire de la région, hein. On retrouve notamment le zviti, la charchoura, voilà, des plats qui sont originaires aussi de Msila, Msila qui est situé à peu près à 70 km de Boussada. Donc le zviti, je le présente plus, puisque je l'ai montré lorsque j'étais à Batna, où est-ce que j'en ai mangé encore à Sétif, bref, j'en ai mangé plusieurs durant cette saison 2. Donc là, ce que j'ai fait en fait, c'est comme j'étais indécis, j'avais envie de goûter à plusieurs spécialités, j'ai demandé si c'était possible de faire un petit mix, voilà, un peu de zviti, un peu de charchoura, et en plus, j'ai demandé un peu de kamounia, parce que j'en avais jamais mangé, donc je savais absolument pas du tout ce que c'était, j'en avais entendu parler, c'était à Sétif, mais il n'y en avait plus, donc la kamounia, c'est un plat en sauce consommé traditionnellement en Algérie, en Tunisie et en Turquie, préparé à base d'abats. Donc je crois que là c'est des abats de poulet, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, là j'ai ma kamounia et là j'ai ma charchoura et j'entendais des bruits. Je pense que c'était le zviti qui est en train d'être préparé, voilà. Ça tapait comme ça, pam, pam, pam. Et ça, en général, c'est la préparation du zviti. Alors, comme d'habitude, hein, je vous mets tous les spots sympas où je dors, où je teste, voilà, manger les petits restos, etc. dans la barre de description, géolocalisation des lieux. Mais là, franchement, c'est pas difficile du tout à retrouver puisque c'est au premier étage de la maison de l'artisanat. C'est l'un des immanquables, hein, de Boussada. On peut pas passer à Boussada sans visiter ce lieu. Oh, merci, trop gentil, voilà. Ils m'ont mis aussi une petite dose de zviti. Magnifique, ils sont vraiment gentils. Ah, j'ai trop faim, donc là, allez, à l'attaque. Et bah c'est parti, hein. Bessara, comme on dit. Je commence par la charchoura. Ça ressemble pas du tout à celle que j'ai pu manger précédemment, que ce soit à Constantine, ou bien à Sétif, ou bien à Biskra. Là, vous voyez, hein, à Biskra, ça formait un peu comme des lasagnes. C'était des couches vraiment superposées. Là, on a, voilà, on a des petits morceaux qui sont coupés. Mmh. Elle est bonne. Hein. Décidément, on pourra dire qu'on les a toutes mangées. Hein. Oh, merci. Et ça, le mec, un petit verre de d'Alben. C'est un peu notre Ayran à l'algérienne. Ayran, pour comprendre la référence, il faut aller voir les saisons 1 et 2 de mes aventures en Turquie. Elle est bonne, mais en fait, ça, on dirait un peu du zviti, mais en version charchoura. Je sens pas les fines pâtes, en fait. Je sens plus comme des bouts de pain. Pour le moment, ma préférée de ce voyage, de cette deuxième saison, c'était celle de Biskra que j'avais mangée pas loin de Roufi. J'avais trop kiffé. Bon, attention, elle est délicieuse, hein.
Mais celle de Biskra était pas mal. Hein. Le mélange sucré-salé avec la citrouille, etc. J'avais bien kiffé. Round 1, terminé. Bon, maintenant, je vais passer à ma Kemunya. C'est ma première. Ça a l'air bon. Et ça sent bon. C'est très bon. On dirait du foie. Du foie de volaille. C'est très tendre. Ce sont de bons gros morceaux. Hein. Et puis c'est accompagné de pois chiches. Avec une petite sauce à base de tomates. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est pas épicé. On sent hein, quand même quelques épices, mais ça arrache pas quoi. Et ça, c'est vraiment agréable. Et pour mon sviti, comme je sais que c'est un plat à base de piment, du coup, j'ai demandé si c'était possible, voilà, que ce soit pas trop piquant, juste vraiment un petit chouïa. Bonne découverte en tout cas, la Kemunya. Round number 2, terminé. Certains diront, mais tu manges beaucoup. C'est des petites portions. Hein. En plus, j'ai bien marché. J'ai rien mangé. Donc là, j'ai vraiment trop faim. Je sais même pas si je vais manger ce soir. Parce qu'en fait, on est déjà quasiment le soir. Là. On est en milieu de journée. Allez, c'est parti. À l'attaque pour le Sveté. Il est bon. Franchement, ça va. Ils sont sympas. Ils n'arrachent pas. Je représente plus ce plat. Hein. Je vous conseille vraiment d'aller voir mon épisode. Enfin, l'un de mes épisodes Acétif. Où j'explique vraiment en détail qu'est-ce que le Sveté. J'en avais remangé justement à Batna. Et j'avais réexpliqué qu'est-ce que était le Sveté à Batna. Coucou! Alors si vous êtes comme moi, une personne qui aime bien quand c'est piquant, mais pas trop, hein, vraiment un petit chouïa, faut pas hésiter à demander en cuisine, en général ils sont très gentils. Hein. Voilà, ils vous feront quelque chose, voilà, que vous pourrez déguster tranquillement. Parce que sinon, pardon, ça arrache le sviti hein, en général. Bien en plus là, c'est calme. Je crois que je vais faire une sieste après là. Je suis trop bien ici. Il y a les petits canapés. Il y en a déjà un qui fait une sieste, regardez. Il est là. C'est la petite sieste, tranquille. Ben voilà, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue et c'est d'ici que nous commençons notre marche digestive. Voilà, c'est là où j'ai mangé. Dans la maison de l'artisanat, alors c'est une sorte de galerie commerçante, voilà, où on peut retrouver tout type d'objets issus. Sûrement de l'artisanat du coin. Et c'est très très beau. Hein. Ça me fait beaucoup penser à un endroit que j'ai visité lorsque j'étais à Mardin, dans le sud-est de la Turquie. Voilà, il y avait aussi une galerie commerçante comme ça. Avec plein d'artisanat. Alors là, si vous voulez acheter des souvenirs, c'est le bon endroit. Hein. C'est calme en plus. Il y a une petite fontaine au milieu, voilà, un peu de musique. C'est hyper relaxant. Alors d'après ce que j'ai compris, à l'étage suivant, il y a un petit café. Et est-ce que au-dessus, il y a un rooftop au dernier étage? Je ne sais pas. On va découvrir ça en live. J'entends quelqu'un jouer de la musique. Ah oui.
Salam alaikum. Le monsieur m'expliquait que c'est un artiste peintre et tout ça, ce sont ses tableaux qu'on peut acheter, sauf celui-ci, parce que c'est en fait sa grand-mère qui est représentée sur le tableau. C'est sympa, en plus on a le droit à un peu de musique et tout. Et regardez, celui-ci il a attiré mon attention parce qu'en fait le monsieur qui est peint sur ce tableau ressemble à un monsieur que j'ai pris en photo ce matin. C'est incroyable, hein? Magnifique. Je lui ai demandé s'il exposait aussi ses peintures à Étienne Dinet. Il m'a dit non. Par contre, il a déjà exposé à Alger, d'après ce que j'ai compris. Merci, monsieur. Merci énormément. Merci. Merci à vous, merci pour votre gentillesse. Voilà, même si vous voulez refaire un petit sviti à la maison, vous mettez un petit tuto YouTube et puis surtout, vous repartez avec le mortier. Voilà, c'est comme ça. On écrase le pain, on fait la sauce et hop, ça nous donne un bon sviti. On passe au dernier étage ensemble. Salam alaikum. Ça arrête. Merci, monsieur. Oui, donc c'est là le petit salon de thé, café. Alors j'ai demandé en fait à l'instant si on pouvait monter sur le toit, s'il y avait un escalier, quelque chose. On m'a dit non, pas du tout. Voilà. Je pense que d'en haut on aurait eu une belle vue à mon avis. Je sais même pas si c'est un toit en vérité, hein. C'est juste l'architecture, hein, du bâtiment qui est comme ça, à ciel ouvert. Hop, on voit la lune qui apparaît. Salam alaikum. Les théières artisanales, magnifique. Ah oui. Là, on a toute la panoplie, hein, pour faire un bon thé. Un thé de boussade. Un thé de boussade. Pain. Il n'y a pas mieux. Merci. Merci, Chokran. Merci, monsieur. Les gens sont vraiment gentils. Hein. Ah oui, donc en fait ici, il n'y a pas que de l'artisanat, il y a aussi des collectionneurs. Hein. Vous êtes un collectionneur en fait. Donc monsieur collectionne les pièces, là il en a plein derrière, juste là, des pièces de monnaie, des timbres, il m'a montré. D'accord, magnifique. Donc là c'est des pièces... C'est les Hercules, les Napoléons. Et les Hercules. Les Hercules, oui. Je connais pas, c'est de quel pays? C'est la France. La France. Avant, on payait avec des Hercules en France. Oui, oui, oui. Voilà, vous venez de m'apprendre quelque chose. C'est les Hercules. Moi, je me suis arrêté au franc, hein, je vous cache pas. Les Hercules, les Napoléons. Les Napoléons et... Le roi des Français, Louis-Philippe. Louis-Philippe, c'est Louis-Philippe, voilà. Waouh. Et en bas, même en bas aussi, voilà. Alors, un Hercule, ça fait combien en dinars à peu près? À peu près... Tout dépend de l'année. Plus ouais. C'est un peu ancien, plus c'est un peu cher. Et vous les avez trouvés où, ceux-là? Je les achète, je les Vous les achetez où? Dans les brocantes, dans d'autres boutiques de collectionneurs? Exactement, les immigrés qui me ramènent. Les immigrés qui vous ramènent, hein. Ouais. Sur internet peut-être, non? Non. Dans un autre, ouais. D'accord. Mais je préfère directement.
Et une pièce comme ça, sans indiscrétion, ça vaut combien à peu ça près? Ça va à peu près dans les 6000 dinars. 6000 dinars. C'est l'équivalent en euros. En euros, c'est 30 à peu près. À peu près 30 euros. À peu près. Hein. Ça vous fait pas mal au cœur de vous en séparer après les avoir collectionnés? J'en ai. Vous en avez d'autres? J'en ai plein. Ah d'accord, ok. Même les plus anciennes, mais c'est interdit pour la vente. Ah ouais, d'accord. Qui ont peut-être plus de valeur aussi. Ah, même bien avant Jésus-Christ. Mais c'est ah bon? Ah, oui. Vous les avez là? Oui, oui. Ah ouais. De toutes les civilisations. J'aurais bien aimé les voir. Ah. Merci en tout cas. Voilà. Merci monsieur. Ah, je vous en prie, merci. Thank you very much. No, thanks. Welcome to your city and your country, thank Algeria. Yes, and Boussada exactly. Welcome for anything for everyone. You're welcome. Merci pour y'all. Goodbye. Quelle journée magnifique, encore une fois, franchement, c'était la journée parfaite des explorations comme je les aime. Boussada est vraiment une belle ville. Elle porte bien son nom d'ailleurs, de la cité du bonheur, parce qu'ici, on s'y sent bien. C'est une ville artistique, je pense, comme vous l'avez remarqué. Voilà, il n'y a pas que Étienne Dinet, hein, d'ailleurs, qui s'est installé ici, d'après ce que j'ai compris. Il y a d'autres artistes hein, qui ont trouvé l'inspiration dans cette ville. C'est vraiment la ville des artistes. Hein. D'ailleurs, je l'ai même remarqué quand je suis parti à la Maison de l'Artisanat, cette belle galerie, justement, où il y a plein d'artisanat, ça porte bien son nom. Mais il y avait même un peintre algérien qui avait sa petite boutique et tout. Non, franchement, super. Rien à dire. Alors ce midi, si vous vous demandez combien j'ai payé pour le resto tout à l'heure, j'en ai eu pour 900 dinars, ce qui fait à peu près 4-5 euros, quelque chose comme ça. Donc pour les trois petits plats que j'ai eu là, le mix de toutes les petites spécialités algériennes. Et puis, comme je vous dis à chaque fois, tout est fait pour une raison. Si la maison d'hôte Dharma était complète, eh ben, c'est que je devais venir ici dans cet hôtel. Parce qu'en fait, si j'avais pas atterri dans cet hôtel, j'aurais peut-être pas remarqué celui d'en face, qui était complet aussi, mais j'aurais peut-être pas fait attention qu'il y avait un hammam. Et donc en fait, sur le chemin retour, et bah du coup, je suis rentré, j'ai dit ça ferme à quelle heure? Ils m'ont dit à 8h, il était 7h30. Ils m'ont dit vas-y si tu veux, t'as une petite demi-heure. J'ai dit allez, ok. Donc j'ai terminé, là, il y a un beau petit hammam juste en face, c'est pas difficile. Hein. Vous sortez de l'hôtel d'Alger, et c'est l'hôtel en face, voilà, qui dispose d'un hammam. Donc là, je suis tout beau, tout propre, tout neuf. Je peux dire qu'il a bien frotté, il y avait de quoi faire avec tout ce qu'on a fait là récemment dans le désert. J'ai pris plein de poussière, voilà. Donc il a enlevé vraiment pas mal de crasse. Et là, je me sens trop bien quoi. Donc je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Moi, Boussada, vraiment encore un petit coup de cœur. Voilà, après Gardaïa, Boussada. Et puis j'ai hâte de continuer demain parce qu'il nous reste encore des choses à voir ici. Mais je vous en dis pas plus, ce sera à suivre demain. Donc je vous remercie encore d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous donc demain en direct de l'Algérie et de Boussada. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager. Mais surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. A ciao ciao.